Salut tout le monde, c'est Doom, j'espère que vous allez bien, on repart tout de suite sur Yandere Simulator. On se retrouve sur la mage du 2 février. Dans cette mage, les personnalités de certains élèves sont mises en avant. Salut gros boobs. Alors voilà, aussi la petite nouveauté, hein, tadaa, c'est que certains élèves vont réagir en fait quand on prend des photos d'eux, à part, ouais, les mecs, non, voilà, les mecs, ils me snob, hein, écoutez. Elle, je sais pas ce que fait elle. Ah, elle veut pas. Non, je suis pas belle, arrête! Eh ben, je te prends quand même! Bim, sur Facebook! Et elle, tu fais quelque chose? Ok, le gros vent, le gros vent. Donc voilà, certains élèves réagissent. Certains veulent bien être pris en photo. Salut, tu veux être pris en photo? Non, ok, c'est pas grave, je te prends quand même. Oh, Petrushka, je suis sûre qu'elle va faire la... Voilà, hein? Attends, attendez, j'ai meilleur... On va la prendre comme ça. Voilà. Attends, vas-y, c'est pour le lycée, vas-y, montre! Vas-y, attends, voilà. Mais oui, t'es belle, voilà. Ce sera pour les mecs. Attendez, je vais prendre Satanas. Ma meilleure copine. Oh putain, m'a snobé. Non, reviens ici, j'ai pas fini. Viens là, regarde. Hé, regarde. Non, elle veut pas. Elle veut pas, elle non plus. Elle veut pas. Voilà, si tu veux pas. Aujourd'hui, Capital investit le lycée de Joséphine. Un lycée où la peur règne. Dans cette mage aussi, je sais que... Il y a beaucoup plus de clubs disponibles. Par exemple, celui de... Faut que je le trouve, attendez, il est tellement grand ce lycée. De la photographie, en fait. Si j'intègre ce club, bah en fait, les élèves ne vont pas rétorquer à ce que je les prenne en photo, quoi. Ils vont être plutôt d'accord, vu que je... Ah oui, oui, ça c'est mon club préféré. Drama Club. Oh là là, qui es-tu, toi? C'est à toi que je me... Toi aussi, je prends une photo, toi, vas-y. Oh, aujourd'hui, je vais être en mode photo, d'accord, hein? En mode exploration. Nous sommes des reporters. Et on va, du coup, on va parler avec tout le monde. Bonjour, animatronique. Oui, parce qu'il avait la flemme de faire des vraies personnes, donc ce sont des animatroniques. C'est quoi, information? Y a pas d'info, y a même pas d'info, quoi, ton truc. Tu marches, c'est quoi cet animatronique, là? Mettez-lui une clé USB dans le cul, qui nous dise quelque chose. Bon, ce club-là ne nous intéresse pas. Je voulais vous montrer le club de... Du coup, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Oh, le club des cookies. Et ça fait quoi, le club des cookies? Enfin, des cookies, de la cuisine. Il me dit quoi, vas-y? If you join the cooking, you will have easy access. Ah d'accord, si je joins le club, j'ai un accès beaucoup plus facile. Oh merde. Là, ce qu'on coupe, là, quand on mange, voilà, les couteaux. Et du coup, bah, en fait, je suis moins suspecte. Voilà, je suis moins suspecte. J'invente des mots, c'est superbe. What? Pourquoi elle court? Mais elle va où? Hello? Ah oui! J'avais oublié cette partie-là. Attends. Attendez, vu qu'on est dans Capital, c'est un reportage, et en fait on est dans une immersion. Vas-y, immersion dans le lycée, qu'est-ce qui se passe? Attendez. T'occupes pas, gros boobs! C'est pour Capital. Ah, attendez, ça aussi ça va intéresser. Ça va intéresser Capital, ça aussi. Voilà. Bon, cette partie-là, on l'avait déjà vue, mais oui! T'es une grosse... Ah putain, la meuf a fait genre, elle est pas contente dès que je la prends en photo. Bon, attendez, faut que je me concentre, faut que je trouve le club pour la photographie. Des photographes amateurs. Light, musique. Ah, je peux même rejoindre le club. Greetings. Qu'est-ce qu'ils disent? Join club. Alors en fait, si on rejoint ce club, nous, on aura accès à un étui à violoncelle. On pourra transporter des corps qu'on aura démembrés. Et, ou transporter des armes assez grandes sans être considérés, enfin, sans être suspect. Non mais attendez, Joséphine elle voulait juste faire de la musique et là il nous parle de transporter des corps. Mais c'est quoi ce lycée? N'empêche, ça peut intéresser Joséphine. J'ai envie de vous dire, allez, on accepte. Merci. Je peux transporter des corps, oui. Bon les amis, c'est pas ça qui nous intéresse. Vraiment, c'est assez intéressant, mais bon, c'est... Je voulais surtout vous montrer le club... Oh les arts, mais en fait il y a trop de clubs. C'est pas possible. Je voulais vous montrer le... Parce que je pense que ces clubs-là ne sont pas terminés. Donc c'est bien gentil, mais pour l'instant, je pense pas pouvoir tout faire. Est-ce que je vais trouver celui de la photographie? C'est pas possible. Enfin, je l'ai trouvé! Voilà! Normalement, elle peut me confier... Elle va me confier... Elle peut me confier, oui, bravo. Pourquoi j'ai un vieux son tout pourri, là? Voilà, alors attends, on va voir ça. Ouais. Voilà, je peux considérer des... Je peux prendre des photos... Donne-moi mon appareil! Oui! J'ai un appareil photo! Bon, on le voit pas trop quand elle l'a, mais... Donc du coup, maintenant, je peux prendre des photos des élèves sans qu'ils s'y opposent.
Maintenant, vous ne pouvez plus rien dire. Bonjour, c'est toujours pour mon reportage chez Capital. Voilà, vous pouvez admirer ma classe. Hein, avec des élèves très studieux. Un peu trop, je trouve. Ah, en plus, elle est disciplinée, elle se lève. Allez, petite photo. Bonjour, madame Bondoufle. Voici mon professeur principal. Bon, il parle pas beaucoup dans ce lycée, hein. Ah, écoutez, c'est pour le reportage. Non mais, madame, mettez-vous comme ça, s'il vous plaît. Oh là, oh, je suis rentrée à l'intérieur, là. C'est dégoûtant. Bon, excusez-moi, je vais pas en cours, je finis mon petit reportage. Et là, en fait, c'est la classe de Francis. Regardez, il est là-bas. Il est là-bas, tout au fond. Putain, je peux pas plus zoomer. Merde, c'est quoi cet appareil de merde? Voyez, là, il est là-bas. Et là, c'est la classe de mon amoureux. Et là, c'est sa prof. Hein? Et, attendez. Putain! Non, j'avais jamais remarqué! Vous avez vu? Putain, gros pouf, vous allez assis à côté de lui, j'y crois pas! Putain, je l'ai défoncé. Qu'est-ce que tu connasses? Putain, merde, je peux pas! Bonjour, ne vous en faites pas, c'est pour une émission de télé. Je prends... You're not one of my students. Non du tout, madame, c'est pour un reportage, je vous ai dit. Alors, on va déjà... Les places vont changer, hein? Écoutez. I think you're in the wrong classroom. Non, non du tout! Je viens ici pour redisposer les élèves. Le jeune homme là-bas au fond, s'il vous plaît. Là, vous là-bas. Please hurry along to your attendez, own les... non, non, je ne quitterai pas cette classe. Vous attendez une minute. Vous, jeune homme, là, vous allez vous mettre là-bas, hein? Et gros boobs, toi, tu as sauté par la fenêtre. Merci. Sinon, tu vas faire quoi, là? Ah, tu vas faire quoi, là? Eh, je suis Joséphine la rebelle. Ah, non. Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Oh, putain, on a un... Le gros bug. Non, mais attendez, j'étais en plein reportage, là. Joséphine, elle s'est fait têche. Bon, bah, Joséphine, elle va rendre son tablier. Ça lui correspond pas du tout, ce club. Hein. Parce que personne ne reconnaît son travail. Oui, je quitte ton club animatronique de merde. Bon, les amis, on va s'intéresser de plus près aux personnalités des... merde, comment on appelle ça? Des petits élèves. Je vais pas y arriver. Voilà, un peu côté. On va la tuer. Oh, bah, Satana! Regarde! Ah bah justement, c'est toi que je cherchais. Je voulais faire repartir de ton club. Quoi? Elle est en train de me supplier pour pas que je la tue. Bah, je veux pas te tuer. Regarde, je range mon arme pour une fois que je suis gentille. Hey, tu vas pas prévenir les flics, hein? Eh, vas-y, là! Hesh! Elle se barre? Ah, putain, je suis sûre qu'elle va prévenir les flics. Bon, c'est pas grave, attendez. Ta-da-da. Mais Satana, je voulais faire partie de ton club. J'y arriverai jamais avec cette fille. Bon, dans tous les cas, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer, en fait. Selon... les élèves, leurs personnalités sont différentes quand Joséphine, par exemple, commet un crime. Par exemple, là, t'as Satana qui s'est barrée en courant, elle a pas prévenu les flics. T'en as certains qui vont prévenir la police, et t'en as certains qui vont aller directement voir la prof. On va tester les autres réactions pour voir un peu, par exemple, les sœurs jumelles, s'il en manque une, ça fait quoi? Salut! Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vas-y, t'en mets du temps à calculer. What? What? Non! Hesh, vas-y, t'allais appeler les flics, là. Vous voyez, hesh, je pense qu'elle était juste en train d'appeler les flics. Ça se passera pas comme ça, ma cocotte. Alors, par contre, elle... Ah, c'est bien, elle dit rien. Elle dit vraiment rien, l'autre, là. Ah, regardez, elle a son téléphone portable dans les mains. Ah ouais, carrément. Ah non! Et elle va faire quoi? Putain, lâche-la. Putain, elle est en train d'appeler. Non, non, non. Ah non, 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 non. Non, non, non. Oh putain, ça y est, là il y a les flics qui arrivent. Bon, c'est pas grave. Attendez, est-ce que j'ai mon arme? C'est bon. Non, je... Ah, du coup, elle bouge plus. Voilà, en fait. T'as peur, hein? Est-ce que tu sens? Tu sens la mort proche de toi? Elle est en train de flipper. Bon, écoutez, je vais laisser en vie. On verra le lendemain. Bon, bon, c'est un peu foutu. Ah, il me reste 4 minutes, faut que je redescende en bas, il faut que j'aille me changer, il faut que j'aille jeter mon arme. Non, je vais pas y arriver. Ah mais non, j'aurai pas le temps là. C'est quoi cet incinérateur qui met 10 ans à brûler un corps? Il me reste 2 minutes là, s'il vous plaît. Allez plus vite. Cette fois-ci les amis, je vais vous montrer une personnalité très intéressante pour Joséphine. Et oui, il y a d'autres psychopathes dans ce lycée. On va s'attaquer à ce club, notamment à toi parce que tu es le plus proche de la sortie et ça m'évitera de trop galérer à transporter ton corps. Yala! Oh putain, c'est dur de t'attaquer quand t'es assis là. Ah, bim! Voilà! Et voilà, regardez! Joséphine! Oh là, putain, mais c'est ce regard! Ah oui, je les ai oubliés, lui, eux, un peu. Non, mais vous inquiétez pas, alors elle est en train de me dire que elle ne dira rien. Bon, toi, j'ai de bas, allez, hop. Go, go, go! Elle est partie où, ma copine?
Tal aurait pu m'aider à transporter à mon corps, elle était super contente et tout, mais que dalle. Putain, il y a la prof qui va arriver, faudrait pas qu'elle me grille. Oh non, t'es sérieux? Mais putain, tu fais chier Jean-Michel, là, tu bloques la porte. Allez, casse-toi. Hop, faut juste que je bouge là. En espérant pas tomber sur la prof. Coucou! Non, c'est bon. Bon, il y a un petit peu beaucoup d'élèves, mais je pense que si on rase les côtés... Eh, tu t'en vas... Tu fais pas des petits sauts comme ça. Je pense que si on rase les côtés, ça devrait le faire. Comme ça. Allez, s'il te plaît, Jean-Michel, là, j'ai que 4 minutes. Vite, 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 vite. Hop, poubelle. C'est bon, j'ai tout, j'ai plus d'armes. Nickel. Nickel. Hop, activation. Et voilà, personne va savoir... Enfin si, il y a des gens qui le savent, mais ils diront rien parce qu'ils ont trop peur. What the hell is wrong with you? Get away from me! Non mais attends... C'est une blague, ils sont sérieux? Genre parce que simplement je l'ai fait rigoler la meuf et now du coup... He knows what I'm really like. Genre elle était juste en train de rigoler, du coup... Ah non mais ça c'est vraiment abusé, ça c'était nul, c'est nul à chier là, franchement, juste parce que la meuf elle était là en train de rigoler, donc du coup c'était suspect quoi. Lol. Loli lol. Non mais de toute façon à chaque fois que je fais quelque chose dans ce jeu ça échoue, ah je suis la plus grande poisseuse sur ce jeu, n'espérez rien de moi, hein. Bon, je vais vous montrer son vrai côté diabolique comme j'ai pas pu bien vous le montrer avec le club. Voilà! Regarde mon ami. Regarde ce que je fais à des certaines personnes. Tu es satisfaite? Regardez cette tête! Ok, elle dit que c'est super beau, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien aux de ce que j'ai vu quoi. Ok, salut! On se fait une bouffe! Ok, bon, putain, quand même s'abuser, elle aurait pu quand même m'aider quoi. Là, oh non, moi je me retrouve avec ça, superbe, merci. Salut! Ça va les filles? C'est pour vous, cadeau! J'avais pas envie de le garder avec moi, donc voilà, faites-en ce que vous voulez, hein, ok? Bon, c'est bon, je me suis pas fait griller! Ouais! J'ai enfin commis un meurtre! Du coup, on va aller voir les copines, là, pour voir comment elles ont réagi. Hey! Comment vas-tu, toi? Don't worry, secret, d'accord. Elle me dit, ne t'inquiète pas, ton secret est sauvé avec moi. Et j'ai pas eu le temps de lire, merci. Merde! Ok, d'accord, par contre, je peux plus lui reparler après. En gros, elle m'a vu faire, elle m'a dit qu'elle allait rien dire et tout. Bon, bah écoute, tant que c'est save... Et toi, qu'est-ce que tu dis? Don't talk to me. Ah ouais, d'accord. I know you killed someone. I'll make sure everyone knows what you've done. D'accord, en fait, elle vient de me dire qu'elle... il ne faut pas que je lui parle, elle a vu ce que j'ai fait et elle va s'assurer que tout le monde le sache. Mais je ne crois pas, mon ami. Je vais t'en empêcher. Comment? Comme ça. Allez, bim. Allez, tiens. Ah oui, bon là, par contre, c'est vrai que tout le monde m'a vu. Ah non! La maîtrise! Bon bah voilà. Ça pouvait pas mieux se terminer que comme ça. Bon bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas ou même à lâcher un petit commentaire. Sur ce les amis, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.